bienvenue en cours de microbiologie. Dans les grands magasins, vous pouvez acheter différents types de viande qui sont conservées de différentes façons. Vous avez par exemple de la viande conservée sous air ou de la viande conservée sous vide. Et notre but aujourd'hui, c'est d'étudier ces viandes et d'étudier les bactéries qui se développent à DLC, c'est-à-dire à date limite de consommation. Le but est de voir si ces viandes répondent à la législation. On va faire des dilutions de l'échantillon qu'on aura obtenu, qu'on va ensuite ensemencer dans différents types de milieux qui vont correspondre en fait aux bactéries qu'on va rechercher dans la viande par rapport à la législation. Et une fois qu'on a ensemencé nos milieux, ils vont partir à l'incubation pendant quelques jours et après on lira les résultats et on comptera les bactéries pour ensuite vérifier si tout est bon.